Salutations tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de Labyrinthe. J'ai même pas vu le départ, je les ai même pas vu arriver. Moi qui se sont croisés dans le truc. Ouais, putain, je faisais des modifs les mecs. Tu m'excuseras, est-ce que vous me permettez que je rajoute juste un mur ici? Voilà, juste ici je rajoute un mur, même si vous avez déjà le bon chemin. Voilà. C'est pas fini. Enfin c'est fini mais hein, j'ai bugué. Ah, vous kiffez les mecs? Ah, y'en a un qui kiffe. Hein. Ah bah oui hein. Ah c'est Karam Gaming. Tu vois, c'est 4 années de The Forest, t'as vu un peu le potentiel. Hein. Ah attention hein. Ah ah, il est tombé dans le piège. Par contre vous êtes deux, j'aimerais que vous soyez un peu regroupés, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais faire avec. Ils sont beaucoup là, non? Ils sont deux, ok. Alors. Qu'est-ce qu'on a de beau? Par contre, je parle pas la langue... Non, déjà, avec l'anglais, j'ai du mal, mais alors... C'est de l'allemand. En vérité, un tout petit peu plus. Ah, je crois que lui, il n'est pas tombé dans le piège. Ah, il n'est pas encore arrivé. Ok. Attention, on va voir ça. L'autre, de toute façon, il fait le tour. Oh, t'as raté. Désolé hein, pour cette vidéo dégueulasse, mais déjà, ça évite de vous spoil. Et en plus de ça, ça évite de vous spoil. J'ai déjà dû très mal filmer au début. Donc du coup ça c'est du spoil, hein, mais voilà, c'est arrangé, tout est arrangé, tout va bien. Ok, t'as l'autre qui est en train de jouer avec la porte, t'as lui qui est tombé dans le trou. Jusque là il y en a un ou deux qui l'ont esquivé le trou. Le micro mieux que ça avant de commencer. Ok. Il a vu la flèche. Okay. Ah, alors lui il a joué avec la porte, mais il a pas pris la porte. Et là voilà, vous voyez qu'il se retrouve aussi ici. Donc là il y en a sûrement qui ont compris le truc. J'ai mis day et je suis pas le jour. J'aurais dû mettre la nuit, mais attends, on va changer le temps. Voilà, deux jours c'est mieux. Voilà. Parce que j'ai mis day, donc voilà. Faut que je respecte un peu ce que j'ai mis. Mais que tu fais? Arrête le jeu. Arrête jeu. Arrête. Arrête jeu. Arrête de jouer avec le temps. Non, continue, je m'amuse. Arrête! Arrête! Mais putain, arrête! T'as fini, oui? Mais... Il le fait exprès. Merde! C'est bon là? Chier hein. T'as qu'à savoir tout ça, pas du shit. Je sais très bien m'en servir. Enfin ouais. Pas très bien m'en servir, mais m'en servir assez bien. Voilà, l'autre du coup il est en train de se poser des questions. C'est bon là, il y a le jour. Il y a le jour, j'ai fini de jouer avec le temps. Enfin l'autre con là de jeu là. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai vu un phoque arriver à monter là-dessus. Je suis sérieux, hein, il y a un phoque qui est monté là-dessus. Ah, donc c'est pas compliqué, c'est là le chemin en plus. Vous voyez pas qu'il y a une flèche? Moi je suis déçu. Vous allez pas abandonner. Il fait jour en plus.
En plus, tu me parles en allemand, ça va être très compliqué. Bon, allez, je suis gentil, t'as vu, je vais te montrer l'exemple. Regarde, regarde bien, parce que je vais pas te le montrer deux fois. Bah merde, mais c'est... Pourtant, c'est pas compliqué, putain, je saute. Faut sauter, non? Ah oui, ça marche. Et le fuck, il l'a testé. Ouais, j'ai été gentil avec eux, hein. Du moins avec lui, parce que lui l'a vu. L'autre, il est encore en train de tourner, il doit se dire que c'est pas le bon chemin. Pourtant, il y a des flèches. J'ai été gentil, j'ai indiqué aussi que les flèches. Oh merde, c'est des débutants ou quoi? Ah, c'est dommage. Après, tu me diras, moi la façon que je saute et tout, que je m'arrête, déjà parce que je connais le truc et en plus parce que bah, ça fait 4 ans que je suis sur le jeu, presque 5, donc ouais, au bout d'un moment... Ah, lui, il a compris. Ah, l'autre, il est parti. Ah, quel dommage. Oh, il a été dégoûté. Et pourtant, il aimait bien. Ah, il va partir. Bah oui, c'est son pote. Ah, bah tant pis, les mecs, hein. Je vais pouvoir continuer de modifier mes trucs là. Je arrête de jouer avec le temps. Moi, je comprends pas pourquoi tu fais ça. Quand on met la nuit, il se passe rien et là tu joues avec le temps. Et tu joues aussi avec mes nerfs, alors arrête. Non, j'ai pas envie. Vas-y, je suis sûr que c'est pas la nuit qui pose problème. Moi je mets la pleine lune là. C'est ultra brillant, tu vois super bien. Donc c'est pas ça qui pose problème, puis je l'avais testé en pleine nuit moi le truc, donc y a pas de soucis quoi. Ouais bon, cet escalier ça va pas, moi ça me plaît pas, c'est trop voyant, c'est trop facile. Ok, bon, qu'est-ce qu'on a de beau là, il a l'air de... Ok, il a l'air d'avoir bien démarré. Ils ont l'air de le passer vite le premier, ok. De toute façon il est très grand, il y a de quoi s'amuser. Mais c'est un Français! Et moi, on voit mon pseudo. Là. Voilà, c'est mieux. Par contre, je voudrais faire un truc. Je vais faire 100 cannibales. J'ai mis jour mais dans le truc, mais enfin je devais changer, je devais mettre night mais j'ai pas, je l'ai pas fait et je vais pas lui mettre le jour, il va péter un câble, hein, il a l'air d'apprécier pour le moment. Si ce mec quitte la partie, moi je restart la partie et je mets night entre parenthèses. Le problème c'est quoi? C'est que ouais, day j'avais pile la place. Je vais rien mettre du tout, j'en ai rien à foutre. Le mec il vient, il voit que s'il fait nuit, il voit rien. C'est pas mon problème. La pleine lune elle est là pour éclairer mon gars. Franchement, vous voyez? Oh, regardez, je vais vous montrer, parce qu'on pourrait me dire, ouais mais toi tu vois super bien. Là, on voit bien, je suis désolé, on voit très bien. Bon et moi je dois vous mettre du lumos à ce niveau là, parce que sinon vous voyez rien sur la vidéo, mais je suis désolé, on voit très bien. Dites-vous que sur la vidéo vous voyez. Bon, moi, je vais mettre mon truc au montage, donc vous allez voir comme moi, je vois. Mais ouais, dites-vous, sur une vidéo qui a pas eu de modification de luminosité sur The Forest, quand vous voyez rien sur une vidéo, bah, le joueur, il voit pas comme vous voyez. Vous voyez encore plus sombre que lui voit, donc c'est un peu dommage. Mais voilà, voilà comment on voit, du coup. Moi, j'aime pas ça. Désolé. C'est pour vous que je fais ça. C'est pour la qualité de la vidéo que je fais cette luminosité dans le jeu. Histoire que ça soit bien éclairé tout le temps. Et que j'ai pas à toujours faire des transitions jour-nuit parce qu'il y a eu de la nuit là ou du jour là. Ou... C'est chiant quoi. Surtout que quand le jour se lève, la couleur du jeu, la transition de lumière est complètement différente du coup. C'est un peu la galère au montage. Je suis désolé, il a pas l'air de se perdre le mec, ça croit qu'il connaît le labyrinthe, tu vois. Hop, il tombe dans le trou.
Il sait pas ce qu'il doit faire. Il sait pas s'il doit tomber ou... Allez hop! J'ai bien envie à la fin, s'il termine, s'il quitte pas avant, hein, j'ai bien envie de lui lâcher un petit commentaire. Je sais pas moi... Karam Gaming sur YouTube. Tu passeras en vidéo, je vois un truc comme ça. Non, pas de pub. Pas de publicité. C'est pas bien. Pas de pub. Je devrais mettre à la fin de la, du labyrinthe mon pseudo. Écrit en dessin ou un truc comme ça. Mais t'imagines pas toi comment c'est galère. Qu'est-ce que t'as testé? Non. C'est quoi ça? Mais ouais, non, c'est pas pour non, c'est pas pour ça, non. Et après, regarde bien parce que une fois que t'as sauté là, et après, tu vas me dire que tu vas sauter sur le truc en face, là, c'est pas possible. En plus, ta flèche qui est en haut, elle est pas pour le mec qui est en bas, elle est pour le mec qui est en haut. Parce qu'il commence à regarder en l'air et faire des trucs. C'est pas possible. C'est pas par là. C'est voilà, c'est pas par là. Allez hop. Tu comprendras si tu fouilles bien la maison. Tu comprendras que voilà. Moi je ne dis rien parce que ça pourrait spoil aussi ceux qui regardent la vidéo. Si de toute façon. Ah, il a réussi, ouais, bien, t'as pris le cut, c'est un cut volontaire. Moi j'ai testé, ça passait, je me suis dit, bon, bah, si le mec il comprend, il fera. Sinon, bah tu peux faire le tour, quoi. Mais ouais, je fais exprès. Ça. Et les endroits, j'ai mis des poteaux comme ça, tu peux pas passer, c'est volontaire. Et il y a des endroits où tu peux passer, c'est volontaire aussi, tu vois. Bah il a l'air de bien se démerder. Moi je filme très mal, mais lui il se démerde bien. Oh putain, non, fais pas ça. Parce que j'ai... j'ai pas envie que tu cut toute la map, même si c'est ça. Ça, techniquement, je pense que c'est passable. Mais le problème, c'est que comme t'es sur un mur, c'est un peu tendu. Je pense que c'est passable en faisant la tremblote comme ça, tu vois, tu trembles comme ça en passant. Mais ça sert à rien parce que c'est... Putain, c'est le même endroit. Au début, je voulais faire en fait un truc de salope en mettant un piège sur un des deux endroits et t'es obligé de passer par un des deux endroits. Mais après, j'ai fait non, laisse tomber, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc du coup, j'ai bouché le trou. Parce que normalement cet escalier devait pas amener ici, hein, c'est cet endroit qui devait amener ici, cet escalier il devait amener bah ici, voilà, de ce côté là, et ça te faisait tomber bah encore dans ce truc à la con quoi. Bon, j'espère qu'elle va pas mourir. Normalement tu ne peux pas mourir sauf si t'es invisible. Donc sauf si t'as le shit. Yes. Ouais, il a vu que... qu'il était déjà en dessous tout à l'heure. Mais t'as vu la flèche. Voilà, il a vu la flèche. Il va regarder ce qui se passe là. Il voit qu'il y a des trucs qui se passent. Il va tourner un peu en rond. Puis après, il va prendre le chemin. Ouais, non, mais quand je mets la flèche sur la droite, c'est surtout pour hein, pour te dire que... Voilà, c'est la suite par là, quoi. T'es pas obligé de te coller au mur. Tranquille. Hein. Regarde. Si tu regardes bien par ici, il y a un chemin. Hein. Il l'a vu, le chemin. Regarde comment il a compris. Regarde comment ce labyrinthe est bien fait et bien expliqué.
Hein? Alors, ce qui m'a fait marrer, c'est quand j'ai ouvert en random, enfin au public l'autre fois, quand je disais des trucs, que je commentais et tout, j'avais trop l'impression que le mec m'écoutait, quoi. C'est comme si j'avais mon micro de branché sur le jeu et tout, mais pour le brancher, faut appuyer sur. Voilà, donc là je le fais pas. Normalement c'est Toki quoi. Je sais pas si ça marche bien, donc je m'en suis pas occupé, mais faudrait peut-être que je le règle, histoire que voir si je peux lâcher quelques mots en jeu. Ça je pourrais lâcher des indices ou me servir de ma table de mixage pour leur lâcher des petites voix de The Forest. Ça y est, il a réussi. J'ai fait exprès, hein, cet escalier de deux marches. Pourquoi j'ai fait un escalier de deux marches? Tout simplement parce que voilà, le bord là, il est glissant, il est mal foutu, donc c'est fait exprès. Ok, il est arrivé là. Donc là, il a vu qu'il y a un trou. Là, il fait le tour pour voir si... Ok, il comprend qu'il doit prendre la corde. Franchement, c'est très bien réalisé, je trouve, comme labyrinthe. Ça a l'air d'être compréhensible, hein. Jusque-là, j'ai deux mecs avec lui, hein. Donc c'était le phoque et lui. Et du coup, c'est deux Français qui ont été le plus loin pour l'instant. Voilà, pour l'instant, c'est deux Français qui ont été le plus loin. Tous les autres ont abandonné avant. Donc félicitations la France. Pour l'instant, vous êtes victorieuse sur ce labyrinthe. Bravo à vous. Cette douce France qui est première sur le labyrinthe 3. Les équipes françaises sont motivées pour aller au bout. Même si le phoque a abandonné en cours de partie, peut-être qu'il devait aller se coucher, ou peut-être qu'il avait plus les yeux devant les trous, ou peut-être que... Ah, excuse-moi, oui, moi aussi je suis un peu perdu, tu vois. Mais oui, c'était un cul-de-sac du coup. Ah, là aussi c'est un cul-de-sac. Hein. Ah, excuse-moi. Excuse-moi, je suis désolé. Je suis désolé. J'aurais pas dû, hein. Je suis un salaud quand même. Ouais, non, mais ça c'est le même cul-de-sac, mais c'est pas grave. Donc oui, voilà, les joueurs français sont très motivés hein, pour les labyrinthes, à ce que je vois. Voilà. Par contre, là, il est... Merci la perte de frame. Par contre, là, le mec, il est rentré dans la deuxième phase du labyrinthe. C'est une phase un peu plus labyrinthique, un peu plus complexe, avec quelques énigmes par-ci, par-là. Et heureusement que j'ai pas mis les cannibales. Hein. Et je pourrais même désactiver les oiseaux, histoire qu'il n'y ait pas de bruit, pour pas déconcentrer le joueur. C'est très important de ne pas déconcentrer le joueur. Alors je sais plus, je voulais mettre un katana ici, je sais pas si je l'ai mis. Ah bah zut, c'est encore un cul-de-sac, mais décidément j'ai été un bel enfoiré ici. Ah! Alors ce morceau, j'en suis assez fier, parce que oui. J'ai bien mis un katana ici. Eh oui. J'ai dû mettre un katana ici. Qu'est-ce que tu... Ah bah non. Qu'est-ce que tu fais? Oh le pauvre. Oh le pauvre. Suis très très fier de moi. C'est exactement ce que je voulais que le joueur fasse. C'est-à-dire que je voulais qu'il arrive ici et qu'il prenne la corde. Mais le but c'est pas de prendre la corde, moi je vais vous le dire, le but c'est de venir ici. Ah c'est pour ça que l'autre il tapait l'autre côté, vous voyez le katana, il voulait des katanas en fait, ok. Ok, il a compris un truc, il a vu qu'il y avait un escalier, il a pris l'escalier, il a fait merde, c'est par là, c'est de là d'où je viens, donc ok, il a compris des choses. Ah, il a l'air de figer. Moi j'aime pas quand les gens ils figent comme ça parce que c'est signe d'abandon, tu vois. Chaque fois que les gens ils figeaient, ils abandonnaient, ils en pouvaient plus, ils quittaient le jeu. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as vu?
Ah mais c'est un cheater. Mais c'est pas du jeu. Bon, ça tombe bien, je devais quitter la partie de toute façon. Parce que je devais renommer le truc et tout. Bah c'est bien, il a été fair play, il a joué le jeu jusqu'à en avoir marre. Mais il a joué le jeu, c'est très bien. Bon là par contre, ouais, j'ai quitté la partie, ça doit être en... L'autre ne répond pas. Et le mec, normalement, je pense que s'il se promène sur la map, il voit le labyrinthe, comment il a été fait. J'ai mis day parce que je voulais mettre en jour, mais de toute façon, je peux pas faire ça parce que je peux pas écrire night pour quand je le mets en nuit. Donc ça restera un labyrinthe de nuit. J'ai eu l'idée de le mettre en jour parce que, ayant vu les premiers candidats en ce labyrinthe, je me suis dit, merde, ils abandonnent vite, c'est quoi? C'est parce qu'il fait nuit? Non, non, c'est juste qu'ils ont... Ils ont vu que c'était un vrai labyrinthe. Je sais pas, peut-être que le mec il voit écrit labyrinthe, il se dit bon bah si. Toi t'as fait un labyrinthe sur The Forest. Attends, c'est une grosse blague. Attends, je vais aller voir ça. Ah, et le mec au bout de 5 minutes il abandonne parce qu'il bah, il a fait. Ah merde, ok, effectivement, c'est un labyrinthe. Ok, ok. Alors, hop, speed, player, speed. Pshh. Excuse-moi. Avion. Voilà. Ok, donc moi je sauvegarde ici, c'est important. Et je vous dis à plus pour un prochain épisode de Labyrinthe.